Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est la conférence de presse du champion du monde de judo, à savoir Teddy Riner. Allez, venez, c'est parti. Donc voilà, Teddy Riner vient d'être élu ce jour, ça c'est récent, le sportif français de l'année par tous les internautes. Et ça c'est une petite anecdote, pour la deuxième année consécutive, le sportif le plus sexy du monde par le magazine Glam Mag. Ce sont des événements auxquels vous êtes habitués déjà, aller à la rencontre des jeunes. Oui, c'est une première pour les médias, mais après oui. Je suis déjà allé dans les îles à La Réunion, je fais souvent en Guadeloupe, en Martinique, un peu partout en France, parfois à l'étranger. Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est l'échange avec ces jeunes qui ont un rêve, qui, eux, derrière la télé, ont envie de briller, qui ont envie de réaliser aussi ce projet. C'est répondre à leurs questions, c'est un peu les aiguiller, c'est aussi peut-être corriger des petits défauts techniques ou leur apporter justement des techniques. Mais c'est surtout voilà, leur dire que tout est possible dans la vie et que voilà, s'ils lâchent rien et s'ils croient en leur projet, ils iront loin. Déjà, un très bel accueil. J'ai été très content de l'accueil qu'on m'a fait à l'aéroport, moi et ma famille. La danse, j'ai pu voir la danse locale, j'ai pu voir que les gens étaient très joyeux, très accueillants. Le petit matin, déjà à 4h30, 5h, j'ai vu que ça a commencé à se lever, j'ai pu voir la mer, je suis allé déjà me baigner, on mange très bien ici, je suis allé au centre-ville, j'ai déjà fait beaucoup et pas mal de choses. Maintenant, ma curiosité a envie d'en voir toujours plus, c'est normal. Mais Tahiti, c'est pas un petit nom, c'est pas un petit mot. Hein. Tahiti, c'est, quand on l'entend, voilà, ça fait rêver. Moi d'ailleurs, lorsque je m'adressais à mes amis, je leur disais je pars à Tahiti, je leur disais pas Tahiti, je disais Tahiti. Forcément, ça fait sourire, ça fait rêver, bien sûr, c'est une destination de rêve. Sportif de haut niveau ou une carrière, c'est jamais fait, c'est jamais écrit. Il peut avoir la blessure, il peut avoir la lassitude. Quand on est ado, quand on est jeune, ça n'a rien à faire. Ça peut changer. J'ai vu des doués et des prometteurs arrêter alors qu'ils auraient pu être champions. Et j'ai envie de dire à tous ces jeunes qui se posent des questions, c'est foncez, allez-y. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez vivre quelque chose de magnifique, vous allez voir du pays, vous allez échanger, vous allez apprendre à vivre en communauté. C'est un échange, mais c'est un échange nos limites. Donc il faut foncer vraiment. Le secret, c'est simple, c'est ne rien lâcher à l'entraînement, c'est être orgueilleux, ne rien accepter. Et toujours se dépasser, toujours en faire plus que les autres. Ça, tu peux donner comme conseil aux jeunes? Ah ouais, bien sûr. Qui même me suit.